Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour le swatch et le make-up de la palette P. Louise que m'a offert Maryse. Donc, sa palette supérieure de P. Louise, elle me l'a envoyée parce que c'était une couronne, que les teintes sont bleu vertes. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai vraiment hâte de la tester. Je connais pas du tout la qualité des fards P. Louise. Tout ce que j'ai testé chez eux, c'est la base que j'ai pas aimé. Et voilà. Donc vous aurez un réel demain, je crois, pour vous, ce soir ou demain, avec un autre make-up de cette palette. Avec cette palette, je veux dire. Et vous aurez la même coiffure, la même tenue. Parce que je vais juste me démaquiller et refaire le make-up. Voilà, donc je vais tout de suite avec les swatchs, je me rapproche et on attaque le make-up. Alors, j'ai envie de faire soit un cut crease, soit un eyelash, et on va partir dans celui-ci, dans un eyelash. Donc, vous avez 8 fards en tout, 2 lumineux, le reste c'est des mats. Je vous ai même pas donné d'explication sur la palette. Et vous avez 8 fards de 1,1 g, je crois. Il me semble que c'est ce que j'ai lu hier. Donc, c'est une très belle quantité. Je ne sais pas le prix, par contre, je regarderai, je vous le noterai. Je trouve que le fait qu'il y ait 2 lumineux, c'est largement suffisant. Il y a un blanc pour le coin interne, c'est magnifique, avec des magnifiques reflets. Il y a un vert, donc toutes les couleurs s'accordent très bien. On a plus une rangée un peu verte ici au-dessus et un peu bleu ici en dessous. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Je vais utiliser la première rangée pour ce make-up et la deuxième pour le réel. Voilà, donc on fait un make-up vert, un make-up bleu. Bon, forcément, le blanc, je vais devoir l'utiliser pour les deux. Mais il y a moyen de moyenner. Je pense. Oui. Oui, ça y est. C'est bon, je sais quoi faire. Alors, je vais prendre un pinceau fluffy assez large pour faire un creux large pour commencer. Et je prends le Royal, qui est ici le bleu canard. Magnifique. Très jolie couleur. Et je vais donc faire mon creux. Mon coin externe et mon ras de cils. Bon, la pigmentation, ça a l'air pas dégueu. Il s'applique bien. Il n'a pas l'air de faire des tâches. Il a l'air de bien se travailler. Vous pouvez voir que ça s'estompe déjà tout seul. La qualité n'a pas l'air dégueu. Je vous dis, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Hein. J'ai jamais testé, je me suis jamais trop intéressé à cette marque. C'est vrai que la palette de verre, ils ont sorti une palette avec tous des verres. Ça me fait très envie. Mais je crois que question tarif, c'est peut-être un peu abusé, quoi. Surtout que là, je sais que Maryse a eu 10 euros de frais de douane supplémentaires. Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que elle m'a montré l'étiquette, ça vient d'Allemagne. Donc j'ai pas trop compris. Emmy me disait que c'était possible parce que c'était un site anglais. Et elle m'a montré, ça vient bien d'Allemagne. Donc j'ai pas trop compris le principe. Voilà, on viendra peaufiner le dégradé après, enfin l'estompe après. Je vais passer à un pinceau plat et je vais prendre le plus foncé qui est le Queen Pea. J'aime beaucoup ce nom. Ça n'a pas l'air trop poudreux. Donc je mets ça en coin interne, externe, interne et en ras de cils. On n'oublie pas de dégrader sur les bords. Je vais foncer mon ras de cils avec. Je commence déjà à dégrader un peu le bord avec le bord du pinceau plat. Très belle pigmentation. Hein. Et ça se travaille bien. On va voir à l'estompe là, voir si ça se superpose bien. Donc je reprends mon premier pinceau pour dégrader
les bords. Bon, ça a l'air de bien se dégrader. Je suis agréablement surprise pour l'instant. Alors, je prends mon pinceau plat, toujours, hein, et je vais essayer le supérieur au pinceau. Mais bon, vous savez que je préfère appliquer les lumineux comme ça au doigt. Oh, le pinceau, ça se travaille très bien. Je le mets au centre de ma paupière, j'ai oublié de vous le dire. Mais c'est full bleu, là. Ça fait très bleu, hein, pour la rangée de verre. Hein. C'est plus une palette bleue que vert. Hein. De l'autre côté, je vais essayer au doigt. Oh, il n'y a pas vraiment de différence. Peut-être juste les micro-paillettes qui s'accrochent mieux au doigt qu'au pinceau. Mais c'est pas. Ça ne change pas grand-chose. Ouais, c'est plus une palette de bleu que de vert. Hein. Je garde le même pinceau. Ouais. Et je prends du coup le courage, qui est le blanc lumineux. Donc on va utiliser deux lumineux. Je vais en remettre par-dessus. Ouh, ça a l'air joli ça. Il a l'air d'y avoir des super beaux reflets. Je vais en mettre un peu sur mon sourcil. Et en coin interne, je vais donc mettre le Fantasy, qui est le petit vert Nice. Oui, mais du coup, c'est plus bleu que vert, hein. Bon, après, en ce moment, je suis à fond dans le bleu, donc ça ne me dérange pas, j'aime bien le bleu aussi. Mais Marie, je pensais vraiment que ça serait vert, mais ouais, on tire plus dans le bleu canard que dans le vert. C'est un peu du bleu canard, du bleu pétrole. Ça fait très joli ma foi. J'aime beaucoup associer le bleu canard comme ça et le vernis. Je trouve que ça va tellement bien ensemble. Du coup, pour faire un petit rappel, je vais en mettre un peu ici. Et je reprends un tout petit peu du blanc pour mettre par-dessus mon coin interne. Ok. Bah écoutez, voilà pour les fards. On va peaufiner les spons. J'ai encore de l'air après le doigt. Donc je donne un coup d'estompeur propre partout, mascara, alors crayon du coup, je ne sais pas si celui-ci va aller avec. Je vais tester le plus foncé, celui-ci je pourrais pas le tester avec cette palette-là. Des Sephora qu'elle m'a envoyé aussi, Maryse, c'est, je sais pas lire. C'est très précis ce que je vous raconte. Et rouge à lèvres, je vous dirai à la fin ce que j'ai mis. Je viens vous montrer ce que ça donne et puis on parle de cette palette juste après. Donc voilà le look final avec cette palette de Queen. Voilà. Alors du coup j'ai mis le crayon là en muqueuse. J'ai essayé de repasser un peu avec celui-ci pour essayer de faire un peu plus la teinte ici, mais ça n'a pas fonctionné du tout. Voilà, on va revenir sur la palette juste après. Sur les lèvres, j'ai mis mon crayon essence et le GK Magic de Charlotte Tilbury. C'est aussi un que Maryse m'a envoyé et c'est un nude un peu plus. Marronné que j'aime beaucoup, voilà. C'est un peu, il est un peu plus beige que, enfin marronné que le Pillow Talk. Donc cette petite palette, alors déjà Maryse, merci encore. Voilà, bah, j'aime beaucoup pour un premier jet. Déjà j'aime beaucoup le make-up que j'ai fait. Les lumineux sont vraiment magnifiques, surtout le petit blanc là. J'adore. Je vais vous montrer mais. Si vous allez voir les reflets qu'il y a dedans, c'est du bleu, hein. Donc c'est clairement une palette de bleu et pas de vert parce que le seul vrai vert qu'il y a dedans c'est ici. Là, on tire plus sur du bleu canard, du bleu pétrole. Ici, c'est vraiment du bleu, hein, du bleu ciel, du bleu layette, du bleu marine.
Et le petit blanc qui a clairement des sous-tons bleus. Donc c'est une palette bleue, pas verte. Mais j'aime beaucoup. J'ai beaucoup envie de bleu en ce moment. Donc ça tombe très bien. Franchement, j'aime beaucoup. La quantité n'est pas négligeable. Les fards se travaillent très bien. Ils sont très pigmentés. Ils s'estompent très bien, même tout seul, hein. Là, j'ai pas mis de fard de transition et c'est plutôt bien estompé. Peut-être ici, ça aurait mérité un tout petit peu plus d'estompage, mais bon, c'est pas grave. Très belle découverte. Les lumineuses travaillent très bien, même au pinceau, hein, vous avez vu. Wow. Agréablement surprise. Belle découverte. Merci, Mam. Encore une fois, une jolie découverte grâce à toi. Et en plus, bon, bah, c'est pas négligeable, c'est une couronne quand même, quoi. Hein, voilà. Donc, voilà, j'ai été très touchée qu'elle pense à moi pour cette palette qui a dû lui coûter un bras et deux reins. Enfin, au moins un, parce que deux, c'est pas possible, mais enfin voilà, bref. Donc, merci, Mam, je suis vraiment agréablement surprise. Là, j'ai vraiment hâte de tester le deuxième make-up. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, même coiffure, même t-shirt. Voilà, je vais juste, je ferai un cut crease. Vous aurez ça en réel, je pense que c'est le lendemain. Normalement, je les mets le lendemain, mais comme je vous ai programmé une semaine de réel Beauty Bay, je ne sais plus. Oui, non, c'est le lendemain. Vous l'aurez demain. Voilà. Donc, vous avez mon lien Instagram en barre d'infos. Tout simplement. N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air. Me dire en commentaire ce que vous pensez de cette palette, si elle vous intéresse, si vous l'avez déjà, si elle ne vous intéresse pas. Voilà. De vous abonner, si c'est pas encore fait. Voilà. Ça fait vraiment plaisir. Bon. Et ça m'encourage énormément. Ça m'aide aussi pour la visibilité sur YouTube. Hein. Voilà. Donc que ce soit les pouces, les commentaires, les abonnements et tout ça, ça m'aide énormément pour l'algorithme. Voilà, donc n'hésitez pas. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, moi je vous dis bisous, bisous.